Hello, bonjour, comment ça va? Et ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Et je vois qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui. Hello, hello. Je vois que j'ai Strasbourg. Qu'est-ce que j'ai vu? Ben Nice, coucou Alexandra. Le Havre, l'Eure-et-Loir, le Strasbourg. Donc Montréal est de nouveau en contact avec les tricoteuses françaises. Donc on vous dit bonjour du côté de Montréal. Il fait super beau chez nous en tout cas. Le printemps est en train de pointer son nez. Il y a des petites tulipes partout. Donc voilà, on est définitivement en tout cas sorti de l'hiver. Donc bonjour à tous, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors je vous fais l'annonce officielle. Pour le nouveau cours de châle qu'on va avoir dans notre groupe, évidemment, ça sera un cours gratuit, quelques petites nouveautés. Donc, le cours qu'on va faire, ça va être pour faire le Festival of Stitches de Lisa Haynes. Alors, j'ai imprimé une petite photo pour vous montrer. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce châle pour plusieurs raisons. Déjà, ça va plus être un peu comme une étole que comme un grand châle. Et on va pouvoir passer d'une étape à l'autre en jouant. Comme vous pouvez le voir, on va vraiment jouer sur énormément de textures différentes. Ne vous inquiétez pas, je vous dirais que c'est vraiment niveau débutant intermédiaire. Je dirais, vous êtes déjà passé par le cerceau en feu, hein, vous êtes passé à travers le Hope Remains, à travers le Ocean Breeze. Ça va être un petit patron, petit, il n'est pas très petit, mais ça va être un patron plutôt relax et puis super sympa, puisqu'à la base, Lisa Haynes avait fait le Festival of Stitches sous la forme d'un Mystery Call. Et oui, comme le Hope Remains. Donc, c'est découpé en 7 indices. Donc, pour nous, ça va être 7 rencontres que nous allons faire. Et nous allons pouvoir faire de la torsade, du point de mosaïque. Donc, ce n'est pas du jacquard, c'est des mailles glissées. Mais vous allez voir, c'est super intéressant. Un petit peu de dentelle et un petit peu de torsade. Donc, que du bonheur. Je vais vous remontrer la photo, donc Festival of Stitches. Donc là, on a une petite dentelle, là, on a un peu de torsade, là, on a de la mosaïque, là, on a de la dentelle encore, des petites bobbles aussi. Alors, j'ai commencé à le faire pour vous montrer un petit peu. Alors, c'est le tout début, hein. Hop! Voilà, c'est le tout début. Donc le tout début commence avec un garter tab stitch, des petites rangées de points mousse rayés. Et les voilà, mes petites bobbles sont ici. Mon papa s'amusait à critiquer mes purlis irlandais que je faisais à l'époque en disant que c'était des verrues de pull. Ouais, voilà, j'ai fait des verrues de châle. C'est pas joli du tout, je sais. Bon. En plus, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh bien, avec la boutique La Vilaine, qui est à Rimouski, qui est tenue par Paul, qui est une grande amie, eh bien, on a décidé de faire ça en collaboration. Donc, Paul va sans doute vous donner un ou deux cours. Vous allez pouvoir profiter de découvrir sa personnalité vraiment rigolote et super sympa. Et ça va me permettre d'ailleurs de peut-être prendre un petite moitié de semaine. Où est-ce que j'ai dit que j'allais, moi? Du côté de l'île aux Coudres. Voilà, voilà. Donc, La Vilaine, Caroline va vous mettre le lien puisqu'elle a aussi mis des kits en ligne. Donc, nous, on a mis des kits et La Vilaine a aussi mis des kits qui sont différents. Donc, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés, ça va être intéressant. Puis, ça va peut-être aussi nous permettre de faire un coucou des tricoteuses du bas du fleuve et de faire encore d'autres connexions. Pour les Français qui ne connaissent pas le bas du fleuve, c'est magnifique. Et je sais qu'il y a certains Montréalais aussi qui ne le connaissent moins bien. Mais en tout cas, c'est très beau. Et si vous avez l'occasion de passer voir la boutique de La Vilaine, n'hésitez pas. C'est une très, très belle boutique. Donc, une super collaboration avec La Vilaine. Et une collaboration avec la designer du Festival of Stitches qui nous fait le cadeau pour notre communauté d'offrir 25% de rabais sur l'achat du patron. Vous mettez simplement en code dans code promo la maison tricotée, donc notre nom, la maison tricotée, sans accent,
et vous allez avoir 25% de rabais dessus. Au niveau des kits que j'ai pris, nous avons fait beaucoup de kits avec ce qu'on appelle chez nous la Coast. Donc la Coast, hop, je vais vous montrer. Donc nous, on a fait des kits avec la Coast. La Coast, c'est un 55% de laine mérino et 45% de coton. C'est donc un petit châle, je vous dirais, printemps-été, puisqu'il est un petit peu plus frais, un petit peu plus sec. On a aussi rajouté quelques autres kits, mais on a de quoi faire beaucoup, beaucoup de kits en Coast. Donc même si vous en voyez un que vous aimez bien et que vous ne le voyez plus, vous pouvez aussi nous écrire. Ou vous pouvez même nous appeler, on peut vous faire des kits de la couleur que vous voulez. C'est très facile. Moi, je suis en train de la tricoter en 3,5. Vous voyez, je l'ai fait là et je me dis que je l'aurais peut-être même tricoté en 4 mm pour lui donner un petit peu plus d'espace puisque le coton a moins d'élasticité. Je tricote souple à la base, mais là, je ne vais pas le recommencer. Mais si j'avais le temps et le courage de le recommencer, je pense que je le ferais en 4 mm. Il serait un petit peu plus grand, mais voilà. Donc nous, les kits sont faits avec la Coast. On double le fil, d'accord? Puisqu'à la base, la Coast, c'est un fil qui est assez fin. Donc, on double le fil, vous voyez? Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. J'avoue que quand on a trois couleurs, il faut faire bien attention que les pelotes ne s'en mêlent pas. Mais ce n'est pas des grandes sections, d'accord? Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Et ça revient tellement moins cher, puisque le kit en Coast, il revient à 65 $. C'était vraiment le moins cher où on pouvait aller. Puisque on a 3 fois 100 g de laine. Voilà. Anne qui dit « Je vais dans le bas du fleuve depuis les étés, depuis toujours. » Cool. J'espère, Anne, que tu as rencontré la belle boutique de la Vilaine. Donc, le patron de Festival of Stitches, il est en anglais, mais comme d'habitude, je vais être là, on va le faire ensemble. Paul de la Vilaine va être là aussi pour vous aider, donc que cela ne vous freine pas. Surtout qu'on va avoir beaucoup de chartes, vous avez vu, les chartes, c'est un langage universel à partir du moment où on comprend les symboles. Donc, avancez en confiance, on va être ici, d'accord ? Ah, merci Diane. Donc oui, ils sont pas chers les kits avec la Coast, encore une fois, parce que c'est un fil qui est très fin et qu'on l'a doublé, donc c'est du gros métrage, ça revient vraiment moins cher. Mais on a aussi quelques autres propositions, mais c'est ça qu'on vous propose. Et n'oubliez pas que la Vilaine vous propose aussi des super beaux kits que vous pouvez aller voir sur leur site. C'est une super collaboration. Paul, c'est vraiment une personne que je tiens vraiment très au chaud dans mon cœur. Voilà. Alors, comment ça va se passer? On n'a pas encore créé le groupe Facebook ni le groupe Slack. On va le faire cette semaine. Encore une fois, hein, ça va être complètement gratuit. Vous allez faire la demande de membres, comme d'habitude, pour le groupe Facebook. Pour le groupe Slack, c'est pareil. Écrivez-nous pour qu'on vous invite ou demandez-nous-le dans le salon si vous y êtes déjà. Et hop, on va vous rentrer dedans. On va ouvrir le groupe Facebook, je vous dis, très très bientôt, là, dans la semaine. On a été un petit peu occupé par les kits. Je vous avoue que chaque kit, comme le fil est fin, nous demande 20 minutes de bobinage. Et donc on a passé vraiment beaucoup de temps à la bobineuse. J'ai encore d'ailleurs l'épaule pas mal endolorie. Donc voilà. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous demander « Ah, ben moi, j'ai pas vu un kit en Coast qui me plairait. » Mais vous pouvez aller voir les couleurs de la Coast sur nos sites internet et vous pouvez nous demander « Ben tiens, moi j'aimerais bien plutôt la cassis avec la thym et la dove, et etc. » D'accord ? Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller faire un petit tour de ce côté-là. Moi, j'y ai pensé après. J'avais passé beaucoup de temps à prendre mes photos, à faire mes petits mélanges, mais là, vous voyez, j'étais là, oh, j'aurais bien fait un petit mélange café au lait parce que j'ai la Dove que j'aime beaucoup, qui a un petit côté super crémeux. Et je me disais, oh, avec un petit chocolat, un petit muscade, ça aurait été très beau. Mais j'ai envie de vacances, j'ai envie de bord de mer, alors j'ai décidé de faire vraiment des couleurs très bord de mer.
D'ailleurs, j'ai appelé une grande partie de mes kits selon des plages françaises. Pour l'éolienne, on va attendre un petit peu. Je compte à peu près un mois et demi parce que je n'ai pas encore le matériel. Je l'ai commandé. C'est de la laine très très fine. C'est de la soie. C'est teint à la main. Donc j'ai vu avec Handmaiden qui sera notre fournisseur sur ce projet-là. Et j'ai un petit délai de 5 semaines. Donc dès que je l'ai, hop, c'est parti. Est-ce qu'on peut faire le Festival of Stitches avec de la fingering, me demande Marie-Claude. Oui. Tout à fait, ça va se faire avec de la fingering, donc type laine à chaussettes, entre 350 et 400 mètres au 100 grammes. Mais je vous dirais que c'est pas un châle en triangle, donc on n'a pas de très mauvaise surprise en arrivant à la fin parce qu'il est immense ou il est plus petit, d'accord? Donc si vous avez envie par exemple de le faire avec une laine comme du Dickey, tout à l'heure, je me disais dans ma tête, oh, je l'aurais bien fait aussi dans la Ulysse, parce que j'adore la Ulysse de Dererum Natura, très très beau mérino, super belle définition, une super palette de couleurs. Eh bien, je l'aurais fait avec la Ulysse, simplement, j'aurais pris des aiguilles 4,5 au lieu de prendre des aiguilles 3,5. D'accord ? Je me disais aussi dans la Knitting for Olive, la mérino, elle est très très belle, mais elle est plus fine. Mais ça, c'est tout à fait possible. Le châle sera plus petit et je vais le tricoter avec des 3 mm. D'accord ? Donc, peut-être pas avec de la grosse laine, à moins que vous vouliez vraiment un gros châle. Mais ne vous bloquez pas non plus sur une grosseur de laine. Il suffit d'adapter la grosseur de vos aiguilles. D'accord ? Donc, si vous tombez en amour avec une laine un peu plus fine ou un peu plus grosse, à partir du moment où les trois grosseurs de laine sont identiques, hop, faites-vous plaisir, allez-y, et surtout ajustez votre grosseur d'aiguille. Et surtout aussi, ayez la bonne quantité de laine, comptez à peu près 350 mètres par coloris. La seconde boutique pour les kits, c'est La Vilaine, d'accord ? Donc, vous avez juste à taper son site internet, d'accord ? C'est là. Vilaine. Voilà. Ok ? Donc, le nom du prochain châle, que celui qu'on va faire, donc celui-ci, c'est Festival of Stitches. Je vais vous l'écrire parce que mon anglais, je le parle bien, mais mon accent est terrible. Alors, ça s'appelle Festival of Stitches. Voilà. Qui veut dire festival de mailles en anglais pour montrer un petit peu d'ailleurs le fait que c'est un peu une salade de fruits de type de points. C'est très 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 sympa, d'accord? Voilà. Ah, tu cherchais la vilaine. Non, non. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va aussi terminer le Ocean Breeze. Donc j'ai vu, bravo, franchement, c'est juste absolument, mais hallucinant, la beauté de ce que vous avez fait. Attendez, je vais sortir mes 6 pelotes de Coast avec mon petit début de châle. On va le mettre ici. Et je vais juste passer rapidement sur les derniers projets qui ont été terminés avant de faire un petit point sur qu'est-ce que c'est que le blocage. Ok, donc on va aller... Oup, 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 oup. Allons-y, on va commencer par le Slack. Ok, attendez, je pense que le Slack, il faut que je descende. Ok, donc Myrtille qui a terminé le sien. C'est très beau, des petites couleurs toutes douces. Mais est-ce que tu l'as bloqué? Je ne le vois pas encore vraiment bloqué au niveau des pointes. Et Odette a enfin reçu ton kit. Oh, ma pauvre Odette. C'est avec la France. Oui, quand on... Avec la France, ça a été un petit peu difficile, mais maintenant, on a l'option par avion, donc on n'a plus ce problème-là. Ok, Céline, il est terminé, mais on va quand même voir la couleur parce que c'est trop beau. Oups, là, avec la magnifique Life in the Long Grass. J'arrive à faire des effets avec ma souris. C'est superbe, bravo Céline, il est parfait. Oh Chantal, le beau châle tout doré. Alors j'en avais vu d'autres. Alors est-ce qu'il faut que je remonte un petit peu? J'ai envie de vous montrer les beautés que j'ai vues.
Ah voilà, France, tu l'as terminé. C'est vraiment très beau. Donc un blocage avec les pointes en carré. Je vais vous montrer tout ça hein, pour le blocage d'ailleurs. Donc félicitations France, bravo. Il est magnifique. Ah André, je remonte, mais je l'adore ton châle. Il est sa couleur est tellement gaie et joyeuse. Et j'adore la manière dont tu as bloqué. Je vais d'ailleurs montrer aussi cette manière-là. S'il y en a qui veulent bloquer avec des pointes un petit peu plus en couronne. Voilà. Puis on va faire un petit tour sur Facebook. Hop là. Alors, et voilà celui que je cherchais la dernière fois. Sylvie, voilà ton châle terminé. Juste superbe. Regardez, un petit châle, juste la couleur a changé le look avec cette petite couleur un petit peu. Ah, je ne sais pas comment dire, un petit peu mystérieuse. Absolument magnifique, vraiment magnifique. La petite couleur licorne. Oh oui, Marie était tellement beau aussi. C'est pour qu'on les voit terminer. Superbe, vraiment magnifique. Marie, vraiment magnifique. Et puis, je pense que j'ai Sylviane. Je pense que c'est Sylviane qui. Est-ce que c'est Sylviane qui m'en a fait un? Oh, il est tellement beau aussi dans ce beau gris. Sylviane qui a fait des photos splendides avec une. Oh, il est beau. Splendide avec une statue. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle a su mettre en. Elle a su vraiment mettre en scène son châle. Ah, est-ce que Facebook. Oh, c'est beau ce petit moumou. Alors, ceux-là, on les avait vus. Bon, je pense que on est vraiment beaucoup, beaucoup, alors c'est un petit peu difficile à les retrouver. Mathilde, bonjour. Si on tricote la cosse avec du 4 mm comme suggéré et qu'on a acheté le kit, est-ce qu'on aura assez de laine? Oui, normalement, tu as assez de laine. Et puis, c'est un patron, elle te dit que tu peux tout à fait peser et puis arranger si tu veux plus ou moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Lacoste, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ne t'inquiète pas, même s'il te manque juste 10 grammes, on pourra t'envoyer ça, il n'y aura pas de problème. Oups, voilà. Donc oui, excusez-moi, je répondais à Mathilde. Lacoste avec du 4 mm, ça va fonctionner. Et puis, si vous, il vous manque un peu de laine, on a vraiment du stock, ne vous inquiétez pas. Marie-Claude, lorsque je fais le rabat, je ne sais jamais pour la tension si trop serré ou trop loose. Que fait-on pour que ce soit joli? Alors, c'est clair que si tu rabats pour du châle, il faut absolument que ta tension soit très très souple. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une tension très souple? Alors, déjà, ça veut dire que tu ne vas pas tirer quand tu rabats. D'accord, je vais juste faire une petite démonstration rapidement. Mais si tu veux, quand tu rabats, oh, je me suis mis du marqueur. Okay. Quand tu rabats, je vais faire un rabat traditionnel, un tricot 2, puis les prendre ensemble. Voilà, je ne vais pas tirer ensuite. Je vais vraiment laisser ma bordure très très souple. Ça va être important pour ton blocage. Tu vois, hop. Je n'essaye pas, si tu veux, d'amener une tension particulière. Je passe par-dessus. Voilà. Et c'est tout. OK? Le simple fait d'aller tricoter la prochaine, ça va un petit peu resserrer celle qui est derrière. Et puis voilà. Donc simplement, hein, un rabat. Tu sais jamais si la tension est trop serrée ou trop loose. Que fait-on pour que ce soit joli? Je te dirais que fais attention de ne pas serrer tes fils. Ça va être première chose. Alors, très bonne question. Joséphine me demande pour le blocage, combien de calants et combien d'eau pour le châle? Alors, c'est parti. On va y aller sur les côtés très techniques. Donc, avant de bloquer notre châle, on va bien sûr le laisser tremper un minimum de 20 minutes dans une solution d'eau et de produits lavants pour la laine, type le calan. Si vous avez du soak, ça fonctionne bien aussi. Pourquoi des produits lavants pour la laine? Parce qu'à la base, ils ont de la lanoline qui va réhydrater la fibre et qui va lui permettre d'être très souple et donc être plus réceptive aussi au blocage. Donc on va la laisser 20 minutes. La quantité de calan, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Il suffit de mettre à peu près une cuillère à thé dans 4 litres d'eau. Alors, est-ce que là, je suis avec une cuillère à thé, comme si je faisais un gâteau de chez Pierre Hermé, à regarder à la goutte près? Je t'avoue que je prends la bouteille, je fais pouet, pouet,
et je mets de l'eau et je regarde pas s'il y a 4 litres. Je suis beaucoup moins. Autant je peux être perfectionniste dans mon tricot, là je t'avoue que j'y vais un peu au pifomètre. Voilà. Donc on a laissé notre tricot reposer là 20 minutes. On enlève l'eau. Et puis on va maintenant extraire l'eau, mais de manière super sympa, d'accord? On ne prend pas le tricot puis on ne le tord pas dans tous les sens parce qu'alors là vous venez de briser la fibre. C'est une catastrophe, vous ne faites pas ça, d'accord? Vous pouvez lui donner un mauvais tour, mauvais twist, jamais. Donc, mon tricot, il est sorti de l'eau. J'extrais l'eau tendrement, gentiment, j'extrais de l'eau. Je prends une serviette de toilette qui est propre, évidemment. Et je vais mettre mon tricot à plat dedans et je vais le rouler comme un sushi. Je vais le rouler dans la serviette. Et pour extraire l'eau, je mets mon tricot par terre dans la serviette et je marche dessus comme une vendangeuse pour extraire le maximum d'humidité. Quand c'est fait, s'il a besoin d'un deuxième petit tour, je prends une deuxième serviette de toilette et c'est reparti. Je mets le châle dans la serviette de toilette, reroule comme un sushi et refais la vendangeuse sur ma serviette. Le châle va ressortir, non pas sec évidemment, mais il va ressortir mouillé. C'est ce qu'on veut, il est maintenant prêt à être écartelé. Alors, je vous fais une petite démonstration. J'ai un petit mini, il est passé où mon mini échantillon? Ah, le voilà. Ok. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors, je vais prendre un petit... Oups. Je vais prendre un petit... Il nous faut donc du matelas à blocage. Si vous n'en avez pas, on panique pas. On va prendre du carton de déménagement, par exemple, et on va le couvrir avec du sac poubelle. Et oui, on veut une matière plastique pour faire en sorte que l'humidité se dégage très très vite. Ensuite, on va venir chercher, donc vous pouvez avoir plusieurs choses, des peignes à bloquer, vous pouvez avoir des petites épingles en T. Évidemment, moi, j'ai un gros faible pour les tiges de blocage, d'accord, parce que ça me permet d'être extrêmement régulière dans ma façon de bloquer. La première chose qu'on va faire, si on n'a que des épingles ou des peignes de blocage, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner au châle la forme qu'il devrait avoir, d'accord? Donc, c'est un châle croissant, donc on va l'installer en petit croissant, voilà. Donc, on lui donne sa forme, d'accord? On n'essaye pas de le faire tenir comme ça, c'est pas un châle triangle, c'est un châle croissant. Donc, on le laisse bien prendre sa place, puis si on a des peignes à bloquer ou des épingles, on va commencer au milieu, hop! Et on va commencer à épingler toute la couronne. Donc, je peux tirer un petit peu. Vous devinerez jamais, évidemment, qui c'est qui vient me rendre visite pendant que je fais ma démonstration. Matcha. Oh, allez, viens là. Excusez-moi. Voilà, on dit bonjour. Voilà. On dit bonjour, ouais, et tu sais quoi, c'est quoi cette tête, tu vas nous laisser travailler, ok, allez, zou, on va-t'en, excusez-moi, elle, oh, il y a des poils partout, elle adore participer, en tout cas, et être du côté des caméras, allez, on revient. Ok, on est là, donc on va, comme je vous disais, on va, la première chose qui va être faite, c'est qu'on va, voilà, c'est qu'on va d'abord sécuriser au niveau de la couronne, d'accord? C'est le plus important. Maintenant que la couronne est bloquée, c'est cool, maintenant on peut tirer de tous les côtés. Mais on ne va pas faire ça n'importe comment, il va vraiment falloir le faire de manière logique. Donc, comme c'est tout petit, je vais prendre mes petites épingles. On va commencer par le milieu de la partie inférieure. Donc, on prend le milieu, pouette, et on tire. Maintenant, c'est comme une toile de peintre qu'on tire. Je ne sais pas s'il y en a qui peignent un petit peu. On va venir prendre le milieu des milieux. Donc, on va se prendre ici.
Merci le compliment pour le chat. Je suis sûre que ça la touche au plus profond, étant donné qu'elle est persuadée que c'est une déesse et qu'on est là pour la servir. Ok, donc, comme je vous disais, on a pris d'abord le milieu, puis ensuite on prend le milieu des milieux. Maintenant, je vais venir aussi m'occuper de la bordure en... Maintenant, c'est très simple, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir à chaque fois épingler dans les milieux jusqu'à... Et à chaque fois, je le fais d'un côté puis de l'autre, d'accord? C'est un mouvement qui est symétrique. Si je mets une épingle là, je mets une épingle de manière symétrique de l'autre côté. C'est important pour pas que votre châle commence à biaiser, d'accord? Donc, milieu des milieux, je me mets ici et je tire. Donc, je vais de manière symétrique en face. Milieu des milieux, je me mets ici, je tire. Je vais aller ici. Milieu du milieu, je me mets ici. Pouet, je tire. Milieu des milieux, je l'ai mis là. Je vais donc le mettre ici. Donc, voilà. On va travailler de cette manière-là. Si vous avez des tiges à bloquer, comment ça se passe? Alors, les tiges à bloquer, c'est vraiment... super. Donc, on va prendre les plus souples parce qu'il y en a des souples dans le paquet. Et simplement, on va le passer dans la bordure. Vous voyez, dans les petits trous dans la bordure. Ok. Je ne vais pas le faire parce qu'il est vraiment mini mon échantillon. Je ne sais pas à quel point ma tige va aimer ce que je lui fais faire. Voilà. Allez. On va faire ça. Voilà, je monte juste là-dessus. Et celle-là, c'est pas la plus extensible. Donc, voilà, elle va suivre le mouvement et je vais simplement la bloquer avec des aiguilles à bloquer. D'accord? Donc, l'avantage, comme vous pouvez le constater, c'est que je vais avoir vraiment un arrondi qui va être super régulier. Hein. On n'aura pas le risque de tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Ça va être vraiment exactement au même niveau. Donc, les tiges à bloquer, ça fait partie du matériel vraiment le plus pratique pour le blocage, ainsi que les peignes parce qu'ils prennent tout de suite une grande portion. Voilà, mais si vous n'en avez pas, vous prenez les petites pinces, vous allez les mettre assez proches les unes des autres pour éviter qu'elles fassent des espèces de petites dents, des petites dents dans le châle. Maintenant, la question un petit peu dans le Ocean Breeze, c'est comment est-ce que je vais bloquer les pointes? Bonjour la Franche-Comté! Salut Michel! Alors, comment je vais bloquer les pointes? Comme on a vu, il y a plusieurs façons. Alors, on va prendre le mien qui aurait bien besoin d'être rebloqué parce que ça fait au moins 4 ans que je l'ai tricoté. Voilà, donc la question, c'est un peu comment on va bloquer cette partie-là. À la base, le patron nous suggère, c'est intéressant, un blocage un peu comme un créneau. Donc, on va avoir un blocage, vous voyez, qui est carré comme ça. Hop, on peut en rajouter un là. Voilà, un petit blocage carré. Donc, vous allez pouvoir aller le voir d'ailleurs sur les différents groupes Facebook pour ceux qui ont fait ce blocage-là. Hop. Donc, on a les trois jetés au bout. Donc, simplement, je vais venir, voilà, je vais venir bloquer comme ça, vraiment en carré. Si vous voulez faire comme l'exemple, je pense que c'est Marie-André qui a fait le châle vert, qui a fait plutôt en couronne. Moi, j'avoue que c'est vraiment mon préféré. Donc, on voit qu'on a 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 qui arrivent dans la bordure. Alors, je vais venir tirer sur le jeté du centre. D'accord? Ensuite, je vais venir dans les deux jetés qui sont sur les côtés. Voilà. Et après, bien, je vais venir aussi travailler dans les jetés
qui sont à droite et à gauche. Vous voyez? D'ailleurs, je peux peut-être lui donner un peu plus une forme de couronne. Voilà. Et je tire. Voilà, donc on peut jouer aussi comme ça. Puis, j'en ai vu aussi qui ont bloqué vraiment pointu. Donc, quand ils ont bloqué pointu, ils ont pris le jeté qui était au centre. Puis, ils ont juste, voyez, mis une épingle ici et c'est tout. Ben, c'est tout. Évidemment, il y avait des épingles là et là parce qu'il faut en mettre de manière régulière. Mais ça, c'est quand on le veut vraiment en pointe. Ça, c'est quand on a la forme plutôt de couronne comme ce qu'a fait Michel. Puis, si on le veut vraiment plutôt carré, comme il y a marqué dans le patron, eh bien, les trois jetés ici se retrouvent en fait pratiquement à la même hauteur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le blocage? Je vais voir après pour le Festival of Stitches, d'accord? Pas de tige pour ces blocages. En fait, si tu peux tout à fait... tu peux... Regarde, comment est-ce que j'utilise un blocage quand, avec les tiges quand je vais avoir des bordures un peu plus spécifiques? En fait, tes tiges, tu vois, elles vont passer comme ça. Mais tu vois, je vais dépasser la partie avec les trois jetés. Donc, mes tiges, voilà, elles vont passer comme ça, au-dessus de la partie qui fait cette partie-là. Et je vais bloquer avec mes tiges, mais après, je vais venir travailler en dehors de mes tiges. Ça donne vraiment de très très beaux résultats quand on travaille de cette manière-là. Encore une fois, le grand avantage, d'accord, c'est ce côté super régulier que ça va te donner. Voilà. Alors, Muriel qui demande, quand je lave mon châle, est-ce qu'il va falloir que je le bloque à chaque fois? Alors, la première chose, c'est qu'à la base, normalement, ton châle, tu ne vas pas le laver tous les deux mois, d'accord? C'est un peu, c'est l'avantage aussi avec la laine. Ensuite, quand tu vas le laver, tu as le choix parce que les motifs, ils seront déjà ouverts. Mais c'est vrai qu'avec le temps, donc je te remontre ça c'est le mien, mon Ocean Breeze, celui-là, il a à peu près 3-4 ans, comme je disais. Donc, ça a tendance un petit peu, c'est à se renfermer un peu sur soi-même. Donc, si je voulais lui donner un petit coup de beauté, c'est vrai qu'il gagnerait à être rebloqué pour réouvrir bien ma dentelle. Ok? Ça, c'est sûr. Après, si j'ai pas envie de rebloquer mon châle, je pourrais aussi le faire sécher à plat. Il va pas tout d'un coup rétrécir sur lui-même, ça, c'est sûr. D'accord? Je vais le rebloquer si je veux vraiment lui redonner un petit oomph, une nouvelle jeunesse. Voilà. Ah, tiki tou, tiki tou. Ok, je vais aller voir. Pour le code promotionnel, ne mettez pas d'accent. Puis, je vais aller voir si elle l'a activé, d'accord? Donc, ne l'achetez pas tout de suite si vous voyez que le code ne fonctionne pas. Puis, je vous ferai un coucou dans les groupes pour vous dire ça y est, ça marche, d'accord? Monique qui dit, moi j'ai fait des couronnes, d'accord, donc quand c'est comme ça. Et j'ai utilisé des aiguilles, ça va bien, mais il faut juste vérifier si les couronnes sont toutes à la même hauteur. Voilà, donc utiliser les tiges à bloquer, ça nous permet d'éviter ce soupejage. Mais je veux dire, vous n'allez pas non plus, ça ne va pas vous sauter aux yeux si vous avez une couronne qui est un petit peu moins étirée qu'une autre non plus. Ah, Sylvie dit qu'elle a acheté hier le patron avec le code. Monique aussi, ça a fonctionné. Donc, ça veut dire que le code fonctionne. Mais faites attention, hein, il n'y a pas de... Alors, c'est que c'est correct. Si le code a fonctionné, c'est qu'il fonctionne. Ce qui est... Marie qui dit qu'il faut mettre des espaces entre chaque mot et ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, des espaces et pas d'accent. Merci les filles. Donc, des espaces,
pas d'accent et le code fonctionne. Donc juste réessayer, d'accord? Merci. Je l'avais pas. J'avoue que comme moi, il fallait vraiment que je le lise et que ben, je l'ai acheté de manière régulière avant de me dire que ça serait un bon exercice pour tout le monde. Et j'espère que ce nouveau projet, ben, ça vous fait plaisir et que c'est un projet que vous trouvez intéressant. Vous allez voir quand vous allez télécharger le patron. Moi, j'adore qu'il soit vraiment segmenté en 7 parties. Je trouve que c'est 7 parties qui sont pas longues à faire et tout ça. Donc, j'espère que vous allez trouver ça vraiment intéressant à travailler. Ça marche? Cool. Donc, n'oubliez pas, aiguille 3,5. Personnellement, avec la Coast, je vous disais, si j'avais à le refaire, je le ferais en 4 mm, d'accord? Et vous allez voir, donc la Coast, il y a du coton. Comme je vous dis, c'est si vous voulez faire un châle qui soit peut-être un peu moins chaud que les autres, hein, parce que vous en avez beaucoup avec du mohair et tout. Donc, vous allez avoir un petit fini un peu plus sec. Elle est super quand elle est lavée, elle devient toute douce. C'est vraiment un coton et laine d'agneau. Super doux. Oui, alors Diane, on reviendra de la dentelle après. Donc le prochain châle qu'on va sans doute faire chevaucher, ça va être le Aeolian. D'accord? C'est juste que là, je voulais être sûre d'avoir du matériel parce que le Aeolian est quand même fait avec une laine fine. Je voulais pas qu'on embarque avec n'importe quoi. Donc j'ai passé une commande de 6 lace, donc le soie et 6 cernes. Pour qu'on ait un fil qui soit fin, qui se tricote bien et qui soit vraiment ben, très précieux, puisque l'Aeolian, c'est quand même un sacré châle. Puis, je vais commander aussi mes perles qui vont avec, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Quand est-ce que le cours va commencer pour le Festival of Stitch? Alors, le cours, il commence le lundi, comme toujours, 24 mai. D'accord? On est le 10, je vous laisse 14 jours pour avoir votre matériel. Ou pour terminer aussi le Ocean Breeze. Donc voilà, pour terminer un peu les projets, puis pour ceux qui suivent, qui sont dans le Pink Fizz, qui sont dans le Ranunculus et tout, ça va vous donner un peu de temps pour avancer vos projets. Et pour, voilà, puis il y en a peut-être qui commencent les chaussettes Kitutuki avec moi très bientôt aussi. Donc voilà, on va se donner un 14 jours. Je vais être sûre que surtout nos tricoteuses en France aient reçu aussi leur matériel pour commencer à nous suivre. Donc voilà, ça va tout commencer le 24 mai. Sylvie qui dit trop de projets. Mais de quoi tu parles, Sylvie? Faut juste arrêter de faire le ménage et d'aller travailler, c'est tout. C'est pas congé pour toi, Céline, le 24 mai. Pourquoi il se passe quoi le 24 mai? Qu'est-ce qui se passe pour moi le 24 mai? Diane, j'aimerais savoir. Bon, soie et mohair pour l'aéolienne. Oui, alors ça, c'est vous qui décidez. Moi, Aeolian, il va être avec un soie et mohair, mais attention, c'est un châle qui est quand même assez complexe. Je vous dirai soie et mohair si vous êtes quand même sûr de vous, sinon ça va être un soie tout court, d'accord? La fête de la reine, c'est pas grave, je suis la reine du tricot, j'ai le droit de pas être... Non, je rigole. Non, je fête pas particulièrement la reine, non. Non, non. Puis moi, je viens d'un pays où la reine, on lui a coupé la tête. Donc, on leur fait des drôles de fêtes, nous, aux reines en France. Voilà. Non, il n'y a pas de jour férié pour moi. Tu sais ce qu'on dit, hein. Trouve un métier dont c'est ta passion et tu travailleras jamais. Bah, c'est exactement pareil pour moi. Je travaille jamais 7 jours sur 7. Est-ce que la pitchou sera bien pour l'aéolienne? Non, s'il vous plaît, pas la pitchou. La pitchou, c'est mon gros bébé, je l'adore, mais c'est de l'alpaga. En plus, elle est assez grosse, hein, elle est plus grosse qu'un soie et mohair. Elle risque de ne pas bien figer la dentelle. Donc non, pas de pitchou.
Non, 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 pas de pitchou, vraiment. Soit MOR, comme je vous disais, si vous sentez vraiment prête. J'insiste sur les 7 que si vous êtes encore hésitante avec la dentelle ou si c'est encore un peu ardu, hein, le soie MOR, c'est pas ce que vous allez détricoter le plus facilement. Puis l'aérolienne est quand même une grosse pièce, d'accord? Donc si vous sentez à l'aise, vraiment allez-y, parce que ça va vraiment être une pièce d'une légèreté extraordinaire. Mais sinon, s'il vous plaît, non. Hein, d'accord. Et Mélissa qui dit, elle est magnifique la pitchou en passant. Je sais, je n'ai qu'une envie, c'est de la tricoter. Si je n'avais pas autant de tricots qui me font culpabiliser quand je rentre chez moi, je te jure que je serais en train d'en tricoter. Est-ce qu'un ranunculus fonctionnera avec la pitchou encore une fois? Oui, je pense que oui, mais tu n'auras pas un grand détail au niveau de la dentelle et des points. Elle est très très touffue, ma pitchou. Mais ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Vraiment. Parce qu'il y a moins de dentelle, c'est plus un point texturé. Ouais, ça pourrait le faire. Ça serait intéressant. Un cours de brioche pour la fête de la reine. Oh, c'est bon. Excuse-moi, Anne, je viens de faire le rapprochement. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent la blague, mais Marie-Antoinette avait dit quoi, le peuple se plaint qu'il n'a point de pain, eh bien qu'il mange de la brioche. Voilà, un cours de brioche pour la fête de la reine, c'est très très bon. Anne, je n'avais pas fait le rapprochement, j'adore. Donc oui, bah oui, écoutez, ça va nous faire 2 semaines sans faire de dentelle, mais j'espère vraiment que vous allez en profiter, bien sûr. Pour finir vos projets ou en avancer d'autres, d'accord? En attendant, de toute façon, on va continuer, je vais continuer dans notre groupe à vous mettre tous les liens quand j'ai ouvert le Facebook, quand on a ouvert le Slack et tout pour vous inviter, pour vous mettre dedans et comme d'habitude, pour continuer les bonnes habitudes avec notre super communauté, d'accord? On partage les laines qu'on a trouvées, nos petits trucs et tout ça, ok? On continue à s'inspirer les unes et les autres, d'accord? Voilà. Je vais vous embrasser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je sais pas si ma caméra peut vous montrer le petit monstre qui s'est installé à côté. Match, dis bonjour. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bébé? Excusez-moi. Vous voyez? Elle m'observe. Ok. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ça a été comme d'habitude un plaisir d'aller avec vous, d'être avec vous. N'oubliez pas donc la Vilaine qui va être notre super partenaire. J'ai tellement hâte que vous découvriez Paul, sa bonne humeur, son humour. C'est vraiment une personne extraordinaire. Donc elle viendra donner un ou deux cours. Et vraiment, ça va être cool. Oui, elle veut participer. Matcha veut participer, mais elle a un problème de motricité fine au niveau des pattes. Donc voilà. Allez, bonne soirée pour nos Françaises. Bon après-midi pour toute notre communauté québécoise. Et on se revoit bientôt. C'est tellement extraordinaire et formidable d'avoir cette communauté qui grandit. C'est tellement chouette. Merci les Français d'être avec nous et aussi ceux qui sont en Europe, parce que je sais qu'on en a de Stuttgart, d'Italie et tout. Donc faites grossir notre communauté. Comme ça, je suis sûre que dès que cette cochonnerie d'épidémie sera terminée, venez nous voir. Nous, on va vous accueillir. Vous allez pouvoir découvrir notre beau Québec et les tricoteuses en France, on vous attend vraiment. Je suis sûre que tout le groupe de Montréal et des alentours, on se réunira et on les accueillera. Ça va nous faire plaisir, d'accord? À bientôt et bonne fin de journée.